TN13 de TV120 Alpha, le CSU détecte une rixe entre trois individus à la station de métro de l'hôtel de ville. TV130 Alpha de TN13, priorité, refus d'obtempérer, une Dacia Sandero de couleur noire, immatriculée dans le 75. Deux individus à bord, on se trouve actuellement sur l'autoroute, près de la plage du Prado. Je répète, plage du Prado. TV130 Alpha de TN13, actuellement sur un AVP, un PL impliqué, le chauffeur choqué, une victime au sol, arrivée du BMPM et du médecin du SAMU sur les lieux. TN13 de TM420 Alpha, vous allez vous transporter SVP au niveau de l'hôpital de la Timon. Demande de motard pour une escorte médicale. TN13 pour Bac Alpha, vous allez vous rendre sur l'impasse Roselyne pour une levée de doute dans un appartement. On aurait une alarme silencieuse. Bac Alpha pour TN13, on sera sur les lieux. Coup de feu, demande de renfort. TN13 de TV130 Alpha concernant le véhicule type Dacia Sandero. Le véhicule nous a été déclaré volé depuis 3 jours. TV130 Alpha de TN13, on a retrouvé la Dacia abandonnée et accidentée rue Breteuil. Je répète, rue Breteuil, en bas de Notre-Dame-de-la-Garde, aucun individu aux alentours. Salut à tous, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve en police municipale de Marseille. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Pour moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, donc on se retrouve en police municipale. Donc là, je suis avec deux collègues. Donc comme j'ai pris l'habitude, là maintenant, je patrouille pas mal avec deux collègues. J'aime bien, ça change. Donc là, il est 14h01 et donc là, nous venons d'avoir un joli petit zoom là sur notre véhicule de patrouille. Donc comme vous pouvez le voir, donc actuellement et à la miniature de la vidéo, donc nous aurons ce nouveau 5008 en version police municipale. Hop, on va regarder de nouveau le véhicule. Donc c'est un véhicule de Alkis, c'est une texture que j'ai faite. Donc il reste un petit peu de travail à faire sur les bandes du côté, mais bon, c'est vraiment pas grand chose à faire. Ensuite, donc la tenue, c'est une tenue de Fireman Modding ainsi que le gilet pare-balles, donc de Fireman Modding. Et du coup, hop, on est tout nickel, on va pouvoir partir en patrouille. Allez, donc du coup, on va y aller. Par contre, hop, je vais me mettre en service. Donc en call-out, j'ai mis Inter5. Et du coup, on va mettre toutes les inter. Enfin, non. Si, ouais, on va laisser comme ça. Allez, nickel. On est en service. Shit me up. Allez, attention, collègues. Je vais me mettre le gilet pare-balles. Voilà. Je vais récupérer également. Mince, pourquoi ça l'a laissé? Voilà. Je vais me récupérer du coup un extincteur, on sait jamais. Voilà. Allez, du coup, je peux remettre ça. Allez, c'est tout bon. Allez, donc du coup, on va partir en patrouille là, avec ce joli petit véhicule.
Donc nous avons changé de pack de deux temps, donc nous avons en fait tenté de faire notre pack nous-mêmes. Donc en fait du coup donc là en fait on est en cours de faire vraiment notre pack à nous. Donc là en attendant ça, j'ai fait un petit mélange de plusieurs packs de sondes qui est disponible sur l'urgence mode. Donc en fait c'est les différents petits packs, en fait il y a un peu de tout. Allez, du coup c'est parti. Donc j'espère que cette petite vidéo. 67 de TV 130, une caméra du moment a détecté une attaque en couteau dans une rue annexe. Il y aurait un suspect. Ok, donc là du coup il y a une attaque au couteau. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Allez. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, hey, lâche ton couteau. Allez, hey, relève-toi doucement et tu lâches ton couteau là. Waouh, il a failli me le planter. J'aurais dû prendre directement mon taser. Bon, allez les gars, courez lui après. Je vais pas laisser mon véhicule tout seul. Quoi? C'est une blague? Ils ont perdu le suspect là? Non mais c'est une blague. Oh non mais c'est quoi ça là? Bon, du coup on va retourner voir la victime là. Putain, je peux pas les laisser tranquilles tout seul. Hein. Allez. Donc, du coup, là, ce véhicule là, qui est tombé du ciel, là, hop, on va le faire remorquer. Hey, oh. Assistance required in Rancho. Hey, mais oh. Putain, ils vont le tuer là. Blow your head off. Non mais oh, les... Oh putain, ça y est. La fusillade. Hey, il a 5 flats de tous les côtés. Oh là là, mais c'est quoi ce bazar là? Bon, c'est bon ou il y en a encore là qui en veulent? Allez, lui là. Allez, c'est bon. À voter. Ah oui, punaise, faut que je m'occupe de ces tenues là. Bon. Du coup, là, c'est parti à cause de. Qu'ils ont. Que mes collègues là, ils ont tiré sur ce mec là. Surtout que ce mec, là, il en avait pour rien à voir. Allez. Du coup, je vais, voilà. Hop. Allez, je vais en renlève les menottes, du coup, là. Maintenant qu'ils sont tous partis. Et du coup, on va le faire emmener par les pompiers, parce que là, il est carrément bien baissé. Eh, monsieur. Wait a sec, buddy. Vous partez, mais vous avez pas l'impression d'être blessé là? Ambulance. Assistance required in Rancho. Asseyez-vous.
Les pompiers vont venir là. Bon. Eh oh. Allez, sinon du coup là on va remorquer tous les véhicules là. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, on va remorquer tout ça là. Ah oui, puis aussi il y a toutes les victimes là à s'occuper. Je vais attendre que le train y passe là parce que sinon ça va être un... Les pompiers ils vont se prendre le train. Et bah le service de dépannage là, ouais, ils ont de quoi faire. Flatbed, assistance required in Rancho. Parfait. Allez, du coup, là, on va laisser les pompiers gérer. Nous, on va quitter la zone, là. Oula, bah, d'accord. Allez, les gars, là, venez. On quitte la zone. Je vais me noter comme quoi qu'il faut que je m'occupe des absolument de changer les tenues PED là, le... ça soit vraiment en français. Allez, donc du coup c'est reparti, fin d'intervention. On va essayer de se diriger aussi du côté de la caserne de la Castellane. Là, si on n'a pas le temps tout de suite, c'est pas grave. Hop, allez, j'éteins mes warnings. Oula, ça va toi? Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est là qui était sur les rails? Je sais pas du tout. Allez, donc du coup, on va se diriger par là-bas. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais je suis obligé de descendre du véhicule pour demander une dépanneuse. Ah, oh, c'est con ça. Parfait. Ok, donc là les pompiers sont sur place. Ils vont s'occuper de tous les corps. Vous allez voir que à la caserne de la Castellane ça a pas mal changé. Allez, donc là on va s'approcher tranquillement. Ok, donc là il y a apparemment ils sont tous Delta. Hop. Allez, on traverse. Donc pour ceux qui sont sur le Discord, donc vous avez eu la chance de pouvoir voir ce qui se passe donc à la caserne de la Castellane.
Donc il se passe de gros travaux, donc là j'avais mis plusieurs photos donc sur le Discord. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument rejoindre notre Discord. Donc, le lien sera dans la description. Hop. Fin d'intervention de TV-103, entreprise de vacation. Une intervention qui s'est déclenchée, mais en fait par erreur. Allez. Donc là, il y a traversé l'engin, là, faut faire attention. Hola, papa. Allez, on va aller se garer par là pour faire un petit tour. Non, peut-être pas là. Hop. Allez, par là. On va être bien là. C'est juste histoire de regarder. Donc voilà, la caserne de la Castellane est fermée. Donc temporairement. Hein. Là, il y a de gros travaux pour quelques semaines. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Hein. On va garder la surprise pour la fin. Là c'est vraiment totalement fermé. Il y a des gros travaux qui ont commencé depuis vendredi en fait, et il y en a pour je pense plusieurs semaines. Donc là du coup on n'utilisera plus cette caserne pendant quelques semaines. On va pas prendre cet inter, enfin si, du coup c'est un peu notre domaine. Là, pour s'occuper de nous, des animaux, c'est pas vraiment la police nationale. Allez, c'est pas une grosse urgence, mais on doit s'en occuper quand même. Allez. Donc du coup, voilà, c'est tout. C'est tout en travaux. Allez, collègues, c'est parti. C'est juste à côté. Allez, donc hop, oula, le monsieur il est au plein milieu de la route. Alors donc du coup je vais me mettre là. Je vais mettre, voilà, parfait, les gyros secondaires, les warnings. Je vais prendre le monsieur et on va se mettre sur le côté. Allez monsieur, venez par là. On va se mettre à l'abri là, dans les arbres comme ça, il n'y aura pas de risque d'accident. Alors. No way. Wait a sec, buddy. Monsieur, bonjour, que se passe-t-il? Bonjour, j'ai perdu mon animal, donc je pense que comme d'habitude, ça va être la vache. Voilà, une vache blanche. C'est dommage qu'il n'y a pas... Déjà qu'ils n'ont pas mis un autre animal... style un chien ou quelque chose comme ça, et c'est dommage aussi que c'est pas aléatoire en fait, c'est toujours là comme là, c'est toujours une vache. Ok monsieur, donc vous restez là, on va aller chercher dans les alentours. Ça serait le point là. Bah, si c'est le cas, il est sur l'autoroute. Hein. Donc là, va falloir se grouiller, mais ouais. Ok, donc là, du coup, hop. Allez. On va dire qu'un témoin nous a prévenu qu'il était sur l'autoroute. Et du coup on va se grouiller parce que là si c'est le cas
C'est super dangereux là. Intervention de TV-103, entreprise de radio. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enlevé mes warnings et du coup ça, ça a arrêté la inter. Oula, bon bah hein, d'accord. Hein. Allez, on va pas chercher plus loin. Allez, il y a un cambriolage en cours, on y va vite. C'est où? Ah ok, c'est dans la maison de Franklin. Attention. Allez, attention. Allez, attention là. Barrez-vous là, barrez-vous. Putain, ils entendent le deux tons, mais non. Attention à toi. Ok, donc je vais pas tourner là. Allez. Pareil, pour cette intervention, il devrait y avoir presque un chrono. Allez, nickel. No way, this is fucking nuts. Alors. Hop. Donc là, on va arrêter de mettre le deux tons. Allez, hop. Donc là, on est à quelques rues de l'intervention. Non, je pense que je vais prendre la rue au-dessus. Parce que là, en fait, il va nous voir arriver par-dessous. Et du coup, c'est pas la bonne idée. Ce que je voudrais, moi, c'est de le prendre en flagrant délit. Je pense que l'alarme silencieuse a dû sonner. Ah non, il y a une alarme là, on l'entend. Alors, hop, on s'équipe. Non, il est là-bas. Hop. Police municipale là, lâche ton arme. Allez, lâche ton arme, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de chercher une entrée, je pense. Ok. En intervention de l'entreprise de vacation. Allez, il y en a un qui reste avec lui là. Hop, allez. Je vais faire le tour moi quand même. On sait jamais, ils peuvent être plusieurs. Franchement, d'ici, il y a une super vue. Ok, donc c'est bon, c'est tout fermé. En bas, ça a l'air bon aussi. Ouais, je pense qu'il a pas dû réussir à trouver un accès. Bon alors. Allez, viens là, toi.
Mince, du coup, j'ai pas vu ce qu'il avait sur la palpation. Du coup, je vais lui en refaire une. Ok, donc... Ouais, il n'y a rien de spécial. Du coup... Hop... On va lui poser des petites questions, là. Monsieur, là, vous étiez quoi, là? Vous faisiez quoi? Vous relaxiez votre esprit? Ouais. Vous habitez dans les environs, monsieur? Avec votre grand-mère sur Marseille, ok. Est-ce que vous êtes recherché? Ok, de toute façon, on va vérifier tout ça. Est-ce que cette arme est volée? D'accord. Bon, de toute façon, monsieur, on va vérifier. On va déjà faire une recherche d'identité. Ok, donc c'est bon, on n'a rien sur lui. Je vais vérifier le numéro de série de l'arme que j'ai récupéré là quand on l'a arrêté. Ok, donc l'arme est bien à lui. Il est 130 de TN67, on est signalé une personne dénudée dans votre zone. Ok, donc je vais faire du coup le rapport d'arrestation. En plus, il était vraiment pas connu, donc je pense que c'était son premier coup. 130, reprise de vacation. Alors, donc possession d'armes mortelles. Vol. Il me semble que cambriolage, je l'ai mis ça. Ou peut-être pas, je sais plus. Non, ça a pas l'air. Du coup, donc ouais, il nous a pas menacé. Autre crime violent. Ouais, donc non, il n'y a plus rien. Allez, donc on va mettre soumettre. C'est dommage que je peux. Ouais, j'ai pas mis cambriolage. Hop, je m'y note. Allez. Donc du coup là monsieur il a de la chance, il écope de 909 € d'amende et 10 mois de prison. Et comme en plus ouais il a pas vraiment réussi à rentrer dans la maison, je pense que c'est juste le fait qu'il ait passé le portail, là ça a dû détecter la présence. Ou peut-être même qu'il a fracturé la porte. Hein. De toute façon, du coup, on va laisser un mot là, dans la boîte aux lettres du propriétaire, là. Allez, hop, on va le mettre dans le véhicule, là, je vais l'emmener moi-même. C'est pas souvent que je fais un transport. Allez, je vais mettre le petit mot là dans la boîte aux lettres. Oula, la boîte aux lettres est bien pleine. Hop, allez, voilà. That ain't real. Ah, franchement, le véhicule, il a de la gueule. Hein. Oula, mais il est tout cassé à l'avant. Là. C'est quoi? Oula, merde. Bon. Du coup, je vais mettre le suspect de l'autre côté. Hop. What the fuck?
Bah alors, monsieur, faut monter, hein. Je réessaye une fois, et sinon, bon, bah, j'appellerai une patrouille, hein. Allez. Hop, on appelle une patrouille. Ah, apparemment, c'est la gendarmerie qui vient. Ah, ça va faire comme les pompiers, ils vont galérer à venir. Sinon, bah là, si je vois que ça merde, hein, sinon je vais le descendre. Je vais le mettre de ce côté de la voiture. Hop. Puis les collègues, on va... Ah bah c'est bon, ils arrivent. Nobody cares about you. Allez. Allez, merci collègues. Hop, allez, est-ce que, hop, on va mettre fin d'intervention. Allez, fin d'intervention, retour en patrouille. Le 103, reprise de vacation. On a de la chance, là, aujourd'hui, il fait beau. Je sais pas s'il y en a des pulls, des pulls police municipale sur Urgence Mall, faudra que je regarde en EUP. Sinon, bah, je sais ce qu'il me reste à faire, une petite tenue. Sinon, ça va, la journée reste quand même calme. Là. Allez, hop, on va passer par là. J'ai mes phares là, je sais pas pourquoi. Yo, I'm gonna call you this weekend. Yo, what's up? Allez, c'est parti. Tout a l'air de bien se passer là dans le coin. C'est quoi ce véhicule là qui est garé là-bas? On va aller faire un petit contrôle, tiens. Parce que normalement, ouais, il a pas le droit de rester garé là. Hop. Alors. Il doit être là pour quelques minutes, mais bon. Même ça, c'est pas autorisé. Target vehicle license plate. On n'a rien de spécial sur le véhicule. Hop, je vais lui mettre quand même une amende, moi. Alors, donc du coup, on n'a rien. Propriétaire.
Ok. Alors. Concernant le stationnement. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bloque l'accès à un emplacement privé. Allez. Hop. Allez, parfait. Donc, elle aura une amende de 420 euros. Allez, voilà. On va quand même lui laisser son véhicule, hein, on va pas le faire remarquer. Allez, parfait. Comme ça, elle recevra l'amende. Allez, du coup, on retourne dans la direction où on était parti. Surtout quoi, il y a des places de parking juste là à côté. Le 132-67, vous allez vous transporter pour constater un meurtre. Pourquoi ça marche pas? Putain, c'est chiant, je peux pas accepter les inters. Je vais essayer d'en déclencher une pour voir. Parce que, ouais. Intervention, du coup, c'était. Est-ce que j'ai la même? Non. Manifestation escorte. En intervention de TV103, entreprise de vacation. Ouais, non, ça marche pas. Bon, bah, du coup, je vais redémarrer le jeu, puis on se retrouve juste après. Bon, tant que c'est pas un crash, ça va encore. Donc nous revoilà de retour, donc là j'ai redémarré le jeu, donc j'ai des nouveaux collègues. Hop, allez les gars, donc montez. Yeah, Jimmy, is that you? Citizens report a robbery at bon bah du coup c'est parti hein. 24/7 market. Allez, on y va vite. Il y a un braquage en cours. Allez, hop. Décidément, le propriétaire là, de Carrefour Market, là, de cette épicerie, là, il va finir par vendre. Hein. Toutes les fois qu'il se fait braquer, lui. Alors, mon arme. Police municipale. Plus personne ne bouge. Hands up in the air. Don't shoot. Good God. Ok, bon bah du coup. Don't shoot me. What is that? Aïe. Hop. Ambulance. Assistance required in. Y a personne ici. Downtown Vinewood. Non, c'est bon. Bon, du coup, la personne a été abattue là. Bon. Citizens report, a grand theft auto. Je pense qu'elle va pouvoir survivre. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Just give up. Get that guy. Hop, 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 là, toi. Hop, hop, hop. Blow your head off.
Lâche ton arme, lâche ton arme. Citizens reporting a robbery at Bob Mullet Salon. Numéro. Respond code 3. Je savais pas qu'il y avait des chimpanzés à Marseille, mais bon. Ok, donc là je vais blesser. Je l'ai blessé par balle, là, une balle dans le bras. Allez, il va se faire embarquer par les pompiers. Bon bah là du coup j'appelle le vétérinaire. Allez, salut les gars. Thanks. You betcha. Citizens report a hold up at Bob Mullet Salon. Bon. It's respond code 3. Il y a un autre braquage là, les gars. Allez, vite, 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 vite. Oh, fuck, no. Fuck. Allez, on y va vite. On a 44 secondes pour atteindre les 1,60 km. Je pense que ça va être chaud chaud là d'atteindre à temps. Oula, c'est quoi cette voiture? Ah, la couleur était belle. Allez, attention, on tourne. Ouais, non, on n'aura pas accès Oh, punaise. Ah, punaise, la voiture est abîmée. Alors... C'est où? Je vais demander deux patrouilles sur place. Ok, apparemment c'est au salon de coiffure. Allez, les suspects sont encore toujours sur place. Voilà, coup de feu, coup de feu, coup de feu. Dispatch, we got eyes on the perp. Dispatch, we have a visual. Eh, hey, lui, il a une arme. Allez, là, faut le choper, lui. Arrête-toi. Eh, hey, le taser. Putain, faut que j'arrive à le doubler, là. Allez, pousse-toi, collègue. Allez, super. Allez, tu restes au sol, là, tu lâches ton arme. Allez. Super. Allez. J'ai laissé mon deux temps activé, là. Allez, on va retourner donc là-bas. Il y a mon deuxième collègue là, qui est resté là-bas. Hop. Allez. T'as appelé les pompiers, collègue? Parce que là, du coup, on avait... on a touché un des braqueurs. Oh punaise, il y a un collègue aussi au sol. Allez, toi, tu vas te mettre là. J'appelle une deuxième patrouille là. Sur les lieux. Allez, mince. Ouais, attention, collègue.
Alors. Oh non. Donc, le suspect était ici. Par contre, là, il n'y a plus personne. Donc, est-ce qu'il s'est fait la malle? Je vais faire une reco quand même ici. Je pense que non, il a dû se barrer. Mais bon, comme il est bien blessé, il ira pas bien loin de toute façon. Ah non. Bon, j'espère que le collègue, en tout cas, il va pouvoir être sauvé. Officers report possible 148 in Rockford Hill. J'espère qu'ils vont pouvoir le réanimer là quand même. Ah putain non. This is starting to get to me. Hey mince. Allez, bon bah du coup, c'est foutu. Alors, l'identification criminelle est pour lui là. Hop. Collègue, tu lui fais une palpation de sécurité s'il te plaît. Je sens qu'ils vont me dégommer ma voiture là, je vais vite la déplacer. Alors, c'est pas mieux. Je vais mettre là sur l'herbe, comme ça au moins. Merde, j'ai pas vu du coup ce qu'il avait. Bon, est-ce que dans le... Ici, je peux voir un... non, ici peut-être info. Non. Alors, sachet de pilules multicolores, pistolet en jouet. Ok, donc ouais, il a un peu de poudre blanche. Ok, donc hop, je fais le rapport d'intervention. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a avec tous les braquages là? Il y a des braquages là. Alors. Haute possession de drogue, substance illicite. Ah oui, il y a une arme que j'ai récupérée aussi. Quand je l'ai arrêtée. Donc ça. Hop, voilà ma armée. Et du coup, voilà. Allez, c'est bon. Donc, ce qui lui donne 15 716 euros et 12 ans de prison. Allez. Monsieur, bougez pas, une patrouille va venir vous récupérer. Allez, le corps du collègue là qui est embarqué. Allez, donc du coup, pour nous, ça va être la fin de cette vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche sur YouTube pour recevoir toutes les notifications. Et aussi, donc, rejoignez notre serveur Discord. Le lien sera dans la description. Vous serez averti de... Vous aurez droit en fait à plusieurs exclus, enfin voilà, tout ce que je mets en fait sur Discord. Donc par exemple, comme pour les travaux de la caserne, donc ça je l'avais affiché donc dit ce week-end, donc je sais plus si c'est samedi ou dimanche, mais je l'avais annoncé du coup ce week-end sur Discord. Allez, poursuite maintenant. Ok, donc pour nous, on va se laisser là, donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!